Donc là, c'est plus à l'odeur qu'il va falloir se fier au.
mets une pâte brisée, enfin, on va mettre du beurre, puis de l'eau pour lier. Vraiment, à la pâte sablée, j'utilise un œuf pour lier. Oui, C'est bien, vous êtes là pour... Là, je coupe du beurre, je coupe 150 g de beurre que je vais jeter dans le caramel une fois qu'il sera prêt. Et après, on va y faire que les pommes, on est prêt. J'ai mis le four à préchauffer. On va mettre ça avec les légumes. C'est plus une soupe un peu. Non, parce que ça va pas être sur le faire des petits morceaux de légumes. Comme un ragoût de légumes. C'est doux. Allez-y, contraire. Voilà, je vous laisse faire. Je vous laisse un peu. On les a pas lavés les pommes, ça fait rien. On les a pelés. Oui. C'est sur la peau que. Oui, enfin bon, on les manipule avec les doigts. Donc... Ah oui, oui, non, mais une fois pelé, c'est bon, hein. Ça ne mélange pas les doigts, plus ou moins fort. Moi, je vais la faire. Ah ouais. Ben, on peut, hein. Après, si on préfère, autant le faire, hein. Mais bon, disons que l'essentiel des bactéries et compagnie sont sur la peau. C'est vrai, je le coupe aussi en petits carrés. Non, mais elle me demandait si on n'avait pas nettoyé les pommes. Laver les pommes après les avoir épluchées. Le céleri, on coupe aussi en petits carrés comme les autres légumes, d'accord. Ouais, c'est quoi ce légume? Ça, c'est un panais. Ah oui, c'est ça. Le panais. Je vais le chutiser parce que c'est un moule vide.
caramel risque de s'enfuir. Je voulais lui poser la question la semaine dernière. C'est joli, hein. Oh, le halouf. Vous êtes surveillé, je le sens là. Oui, il s'oxyde aussi, mais on va pas le mettre. Il y a un ouf dans la cuisine. Ah, vous avez pêché la tête d'ail entière ? Ben oui. Ça l'est là ? Oui. C'était une gousse, mais c'est pas grave. Bah, on peut en retirer là, hein. C'est pas grave du coup. Ah, on peut en retirer un dos, non ? Ah, ben on va les retirer, on va pas tous les mettre, sinon ça risque d'être un peu fort en ail. Exactement, ouais. Mais. Éventuellement des réunions cet après-midi. Ah, c'est pas cuit. Oui, il est cuit, ouais, mais bon, enfin. Ah ouais ? Ça parfume quand même pas mal, ouais. Vous avez pas vu. Vous vous retirez le gras ? Oui. Bah non, la couenne. Voilà, c'est la couenne. C'est la couenne, ouais. Et ça, c'est quoi ? Les coups, c'est pas trop petit. Je vais vous donner un jus de citron. C'est la couenne. Non, regarde, c'est la couenne. En fait, le céleri, on met en même temps que les pavés. Il y a trop de ressources. Comme ça. Dans la grande casserole là-bas, ouais. Et en fait on les fait cuire avec les oignons. D'accord. On rajoute pas de matière grasse. Parce que ce qu'il y a là-dedans, pourquoi. Ça recuit au four, hein. Oui, je sais. Mais bon, après, une fois que là, cette première tournée est prête, on les prend avec ça, on les dispose joliment là-dessus, et on fait cuire les autres, et avec le caramel qui reste, on peut le faire sur le tour. Okay. Non, encore 5 minutes. On ne fait pas souvent, mais... Non, mais... Encore 5 minutes, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe là aussi. Bien en retrait. Thank you.
En fait, il faut les disposer dans l'autre sens. Pour que quand on la démoule, on ait ce côté-là visible. D'accord. Ouais. Excusez-moi. Donc elles sont plus régulières du côté où on les a coupées. Et après, pour mettre la tarte, je veux dire, pour mettre la tarte, sinon je trouve que c'est mieux aussi que là, parce qu'après, oui, parce que là, c'est un monde des fonds mobiles. Ah, donc le caramel, voilà. Après, quand elle cuise, elle se tasse de toute façon. Oui, 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 c'est pour ça qu'il faut en faire beaucoup. Parce que sinon, on a des gros trous, quoi. Donc là, tous les petits morceaux, on va les glisser dans les petits trous. Et... on peut en mettre bientôt les autres. Alors, ça y est? De plein champ. D'accord. Donc, c'est un là. C'est parfait. Alors il y en a un autre. Là, tout ça. Ouais. Donc je déjà on va commencer à faire ça. Hein, on lave tous les sacs. Bah ouais. Il y en a un kilo. Ok. Ah oui, mais il y a un oignon. Non, dans rien du tout. Juste je vais mettre les lardons en même temps. Si vous voulez, ils vont cuire juste avec le lardon. Voilà, sans rajouter de matière grasse. Donc là, ouais. Non, non, mais on peut les mettre au fur et à mesure, c'est pas gênant. Hein. Alors, par contre, je crois que j'ai fait de la sauce soja, je sais pas. Ça sent bon. Ah oui, ça sent très bon. Les caramels sont en train de réduire parce que je pense qu'il y en a. Ça s'est imprimé dans les pommes. Ça fait jamais de caramel. Non. Ça fera pas de caramel. Si, ça fait du caramel au début, mais après on a mis le beurre, donc ça a stabilisé le caramel. Il y a les pommes qui sont pas très bien mises. Personne ne pleure, c'est pas juste. Ouais, je suis au bord des larmes. C'est pas juste, ça c'est des faux. Je suis au bord des larmes. Ah bon? J'ai un gros chagrin qui arrive. Après, dans le tir
deuxième tiroir de droite, tu prendras une cuillère en bois pour mélanger, pour touiller. Tiens, ce qu'il faut, c'est que tu n'as pas besoin de bord. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de bord pour nous. Ouais. Ah, c'est pas sur le bout. Ah, donc c'était normal. C'est ça. Ouais, mais attends. Oui, c'est ça. Là, celui-là, je crois que c'est chaud. Ça, c'est fait lourd. Il ne tient pas, il ne Il y a eu un accident de travail ? Oui, un petit. Aujourd'hui ? Un petit, oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pré-cuire à la vapeur nos légumes pour être un peu dans le temps parce que sinon, il y a un petit risque. Je ne sais pas tout à l'heure.